c'est Serato Frédéric, vice-président du groupe de l'association Supporters Bressan. L'association a été créée en 2018, alors je fais partie du président quand on a créé la SOS. Et depuis quelques années déjà que je suis le club du BBP Zéro. Alors moi c'est Bernard, Geoffrey Bernard, donc je suis partie du membre avec Fred depuis cette année là, mais ça fait depuis 90 ou 89 que je suis le Bourg-Perona, donc qu'on n'était pas à ce niveau là évidemment. Et puis je m'occupe d'une équipe autour de chez moi, je suis entraîneur d'une équipe mais ouais, à trois. Un peu parce que... Je m'appelle Loris Mignocolo, donc j'ai 20 ans, j'ai été formé au FC Lorient et je viens d'arriver ici il y a deux semaines en prêt pour 6 mois à Bourg-en-Bresse. Donc voilà, je fais toutes mes classes au FC Lorient et c'est la première fois que je quitte mon club formateur. Moi je m'appelle Romain Fleurier, j'ai 24 ans. J'ai joué à Beauvais, et l'année dernière, j'ai fait Chambly aussi, j'étais à Villefranche l'année dernière et je suis arrivé cette année à Bourg-en-Bresse. Alors il y a une question qui revient régulièrement dans les séances d'interview, c'est s'il y a monté en Ligue 2, est-ce que vous avez une promesse à faire aux supporters? Après vous n'êtes pas obligé. Une promesse? Ouais. Un truc que vous pouvez promettre. Il y a des collègues à vous qui ouais, ont j'ai entendu, une teinture, un match, un barbecue, une soirée. Après, c'est pas obligé. Hein. Non, mais oui, ça serait bien ça. J'ai déjà entendu. Une signature dire. L'année prochaine. Une signature au FBBP gratuit. Non, mais faire un truc tous ensemble, tous réunis. Ouais. Un truc ici, on se fait un petit match entre nous. Voilà. Ou un truc comme ça. Ceux qui peuvent. Tu joues avec nous, c'est qui te fait. Parce qu'il y en a qui peuvent voir un truc. Il y en a qui peuvent plus. Hein. Ouais, ça pourrait être bien de fêter ça ensemble, ouais, sauf en d'un match. Rabourg, une rencontre avec tout le monde, et comme ça on pourra célébrer tous ensemble. C'est question de rapprochement, ce qui va. Ouais. Voilà, voilà, c'est juste en fait de dire qu'il y a un lien entre les supporters et les ouais, joueurs. C'est ça. Parce que nous, on ne veut pas vous lâcher. Non, non. Si l'année prochaine tu veux rester avec nous. Si... Moi, ça serait bien que tu restes avec nous, tu vas pas à Lorient. Non, ça va, ça va. Alors, justement, une question que je peux te poser. T'es venu, enfin, j'avais lu un peu dans les journaux. Ouais, mais faut pas écouter les journaux. Non, non, mais c'est pour une critique. Hein, ouais, c'est ça. Avec Alain Pochard, donc je pense que. Ouais, je l'ai. Il allait bien, il trouvait ton jeu intéressant, je pense. Ouais, parce que j'ai eu 6 mois à Villefranche. C'est lui qui m'a fait venir de Chambly à Villefranche. Ouais. Puis ça, c'est très bien passé avec lui les 6 premiers mois. Et puis bon, on a gardé le contact et puis je suis venu à la fin. Puis après, il y a eu la proposition du club. Bah oui, ouais, ils m'ont proposé quelque chose et puis bah, j'ai dit oui. C'est question, vous êtes plus sucré ou salé? Ouais, moi, j'en fais pour le sucre. J'avoue que j'essaye d'éviter, je n'achète pas. Et quand il est devant moi, j'avoue que tout ce qui est sucré, bon, c'est mon petit faible. Ouais, pareil, le sucre. Ouais, ce qui est bonbon comme là devant, là. Ouais, ouais, ce genre de truc. Bonbon, chocolat. C'est pas très bon. Hein. C'est plein de colorants. C'est du bien, c'est plein de... Mais bon. Si ça vous... C'est pas trop difficile de prendre la décision de partir de là où on est pour venir dans un club qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'était assez simple parce que en fait, j'avais connu que Lorient. Et puis, les 6 premiers mois à Lorient, j'ai vraiment pas beaucoup joué, j'ai pas eu tant de jeu du tout. Et moi, dans l'optique de progression dans ma carrière personnelle, j'avais besoin de jouer, de découvrir un nouveau niveau. J'avais peut-être pas forcément le niveau Ligue 1, enfin, je savais pas vu que j'avais jamais joué. Donc, il y avait une opportunité. À la trêve hivernale là, de partir en national, un niveau où j'avais jamais joué et qui est quand même assez regardé et assez structuré. Donc moi,
Ça m'a tout de suite parlé et je n'ai pas hésité très longtemps à venir ici, puisqu'à Lorient, j'avais vraiment aucune minute de jeu. Je savais qu'ici, c'était possible d'avoir du temps de jeu et puis découvrir aussi la vie tout seul, c'était différent. Pourtant, tu as joué quelques minutes en Ligue 1. Ouais, j'ai joué quelques minutes, mais c'était l'année dernière, c'était 20 minutes. Après, c'est toujours une belle expérience hein, de jouer en Ligue 1. Mais j'avais fait des matchs de prépa aussi cette année en début de saison, c'était plutôt bien passé. Genre, après, j'ai eu des blessures et puis des choix du coach. La situation n'était pas facile aussi au club à Lorient, je n'étais pas dans une très bonne position. Donc, c'est plus difficile de lancer des jeunes dans ces moments-là. Et toi, Romain ? Bah moi j'ai du coup j'étais à Chambly donc j'y vais chez mes parents donc depuis tout petit j'étais là-bas et puis j'ai dû partir à Villefranche donc non ça m'a pas fait peur mais je pense que ça m'a fait du bien ça m'a fait mûrir donc c'est que du positif. Oui et tu avais plusieurs copains aussi qui sont de Chambly qui jouent à Chambly aussi. Ouais mais je les connaissais pas quand j'étais à Villefranche, ils étaient pas avec moi en même temps que moi à Chambly. Ah, donc je connaissais personne mais ça s'est très bien passé. FIFA ou PES ? FIFA. Ah, FIFA, PES, c'est fini. Et après, ça n'existait même plus en plus. Quel est votre plus grand défaut dans la vie ? Autant sur le terrain que dans la vie de tous les jours. Sur le terrain, je ne sais pas, mais dans la vie, je ne suis pas très organisé. Bon. J'oublie beaucoup de trucs. Souvent, des rendez-vous, des trucs à faire, c'est un peu le bordel des fois. Mais ça va, je m'en améliore. Défaut sur le terrain, ouais, je sais pas, franchement sur le terrain, je sais pas. Peut-être trop nerveux, peut-être. Ouais. Possible. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je sais pas. J'en ai peut-être pas. Hein. Non, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Ah, c'est pas facile de donner. Bah, ouais. Vous pouvez nous composer un 11 de rêve. Pour vous, l'équipe on se verrait. Dans les buts, mais Van der Sar. Ouais. À droite, je mets Daniel Vess. Ouais. Charnière central, on va dire les Ramos Van Dijk. À gauche, Marcelo. Milieu de terrain, Kanté, Modric et Ronaldinho. Devant Messi, Cristiano. Et on va dire Kylian Mbappé à droite. Ou alors au gauche, je mettrais un bon gardien. De il y a longtemps ou n'importe. N'importe. Ouais, Van der Sar aussi. À droite, je mettrais. Daniel Vess, dans là je mettrais Marquinhos avec Van Dijk. À gauche je mettrais Roberto Carlos je pense. Bien. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Au milieu je mettrais Zidane, Ronaldinho et Kanté. Ouais. T'es obligé. Ah oui, bien. Après il y a beaucoup de joueurs. Ah c'est méchant. Hein. Ah mais non, c'est mais ça. T'as le droit. Hein. Puis devant je mettrais Messi, Ronaldo, le vrai Ronaldo. R9. Ouais. Et Thierry Henry, je pense. Le poste là que vous jouez là, en fait, c'est venu comment que. Depuis tout petit, vous jouez à ce poste-là ou vous avez commencé plus haut et vous avez reculé après ou... Non, moi avant, quand j'étais petit, j'étais attaquant. Ouais. Puis après, j'ai fait que reculer. Et puis non, ce poste-là, je l'ai occupé. C'est le coach l'année dernière à Villefranche, Alain Pochin, qui m'a mis à ce poste-là. Et je suis un joueur de couloir. Donc, d'accord. Non, c'est venu comme ça. Et toi, Loris, est-ce que tu es rapide ou ça serait un peu ton péché, enfin je veux dire une faiblesse. Ouais, ça va, on m'a toujours dit que j'étais assez rapide pour ma taille. Après, c'est sûr que je suis pas le plus rapide, mais pour un défenseur, je trouve que ça va. Après, j'ai toujours joué derrière, un petit peu au milieu de terrain quand j'étais plus petit, mais je suis vite retourné défenseur central. J'ai connu presque que ça. D'accord.
Et dans votre tête, pour la fin de saison, vous envisagez, enfin, je veux dire, quelle place à peu près si vous avez dans les. Le classement. Premier ou deuxième? Non, pas forcément premier ou deuxième. Enfin, dans les 3-4 premiers, enfin, je veux dire. C'est la place que tu aimerais bien? Ouais, parce que l'année dernière, j'ai vécu le ouais. Barrage. Mmh. Et ben, Bourg aussi a joué le barrage il y a 4 ans. 3 ans, 4 ans. Contre Grenoble, et ça n'a pas été un bon souvenir. Ouais, mmh. Moi, c'est pareil, les dernières. Tu as vécu comment, ça? Ah oui, avec Villefranche. Ouais. Ah, Villefranche, le barrage? Je t'ai regardé, hein. Bah, je te cache pas. Après, je t'avoue. Ouais, je vous étais content. J'étais pour Niort. Ouais, je m'en doute. Comme ça, ouais. J'étais pour te dire. Mais tu l'as mal vécu. Bah, c'était dur parce que. Fin, oui, vous avez, surtout, vous avez gagné facilement. Et... gagné. Largement à l'aller. Et puis on prend le but à la 79e, je crois. Donc, enfin, on en prend 79 et 82, je crois. Ouais, ça fait mal. Mais moi, c'est comme ça. Hein. Là, ça va, ça n'a pas été trop. Bon, ça a été dur. Ça a été, c'est mental, enfin, psychologiquement et tout, ça a été dur. Mais bon, après, il fallait se remettre dedans. Et puis bah, maintenant, c'est oublié. Donc, je pense que quand vous allez aller à Villefranche, ça. Tu vas te donner à fond, enfin comme tous les matchs, je pense, mais ça va être vraiment de. C'est un match où. De monter. Parce que nous, on va y être. À l'aller, il y a eu match nul. Villefranche, oui. Ouais. Bah, ce sera le dernier match, je crois. Oui, c'est le dernier match. Nous, on y sera. Même s'il n'y a plus d'enjeu ou pas. Hein. Oui, mais il y aura de l'enjeu, je pense. Bon, on verra bien. Il faut qu'il y ait de l'enjeu, d'ailleurs. Ouais, je... Nous, on vous demandera de le gagner. Normal. Le derby. Mais je pense que vous serez bien placé et je pense qu'il y a moyen de. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ouais. Je pense que vous allez remonter dans votre. On croit l'équipe là. Et au Mans, il faut absolument. Enfin, je sais que c'est pas facile, c'est pas que vous qui avez la vérité, mais il faudra donner. Pas permettre. Hein. Okay. C'est d'aller gagner au Mans, de toute façon. Chaque match est à gagner. Nous, on y sera. Ouais, nous aussi. On sera quelques-uns. Et... Alors, je pense que si vous montiez cette année, il y aura une grosse fête la fin de saison. On verra bien. Vous avez des questions, vous? Oui, parce que nous, on pose, mais vous avez peut-être des questions. Ouais. Juste une question. Oui, vous aviez été surpris, je pense, dans votre sens, la signature d'Ambélé. D'Aliou? Oui. Dembélé. Ouais, bon. Vous le connaissiez ou pas? Bah, moi, j'ai déjà joué contre lui, qui jouait à la balle l'année dernière, ouais. La semaine à Briochin. Moi, j'ai déjà joué contre lui, mais je ne le connaissais pas. Mais c'est une très bonne personne. C'est un très bon joueur. Ouais. On l'a eu en. Ah, bah, il était à Bourg. En Ligue 2. Moi je ne le connaissais pas, c'est un très très bon joueur. J'apprends à le connaître et ouais, qui lâche rien. Bonne personne. Qui ne lâche rien. Mmh. Alors c'est pas un gars qui va le marquer 10 buts par saison, hein, ça faut pas. Mais il va porter par son jeu défensif, il est très juste balle au pied et il ne lâche pas. Quoi. Moi j'ai une question. Vous savez, un porte-bonheur qui vous suit tout le temps en jour de match, où il y a un truc, vous faites toujours avant en jour de match. Moi, je sais que j'ai ma routine, je fais souvent la même chose, mais j'ai pas de. Si je fais un truc différent un jour, ça va pas me changer grand chose. Plus jeune, j'en avais, mais au final, bon. C'est des choses qui peuvent, je trouve, t'embêter. Imaginons que ça se passe pas comme tu prévois, dans ta tête, c'est pas clair. Je préfère ne pas avoir de rituel. Comme ça, je suis pas dérangé avant les matchs, si ça se passe pas comme je le veux. Moi, je n'ai pas non plus. Non. Ouais, vous êtes combien en tout au niveau de l'assaut? De la sauce à l'heure actuelle, on est 30 membres. Après, c'est national. Hein, c'est pas... On est 30 membres et puis on essaye d'être toujours un peu plus. Je ne vous cache pas, vos résultats, ils influencent un peu dessus. Hein. Ouais. C'est...
Après, bon, on essaye d'augmenter petit à petit, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que on peut avoir du monde qui vient dans l'association et qui apporte, enfin, qui apporte si tu veux, mais qui, au point de vue chanté, au point de vue ambiance, beaucoup ne jouent pas leur rôle. Ouais. Et moi, ça, je ne peux pas y admettre. Enfin, moi, personnellement, je ne mets pas. Tu vois, là, ce week-end, on a 30 personnes, mais là, ce week-end, on était 10. Bernard. En moyenne par match, on est à. Si on a 2, 3, tu vois. 15 et 20. Allez, je mettrais 5, 6. 15 et 20, mais. 5, 6 qui chantent. Parce qu'après, tu as les contraintes. T'as les contraintes professionnelles. C'est plus vieux. Non, mais ça, professionnel, c'est sûr que ça joue. Non, mais je veux dire, l'ambiance, ça compte beaucoup. Oui. Si tu as un 6 à chanter, bon, après, il y a ceux qui tapent du tambour, mais. Et puis qui parlent au micro, comme. Fredo, ça s'apporte beaucoup, mais c'est pas suffisant. Mm. Bernard, c'est le premier à crier si on chante pas. Voilà. C'est le papy qui nous tire là. Il y a que la baguette derrière et. Un supporter, c'est ça. C'est bien. Ben oui. Sinon, tu ne fais pas partie. Ouais. Pour moi, c'est pourquoi je suis allé les rejoindre? Parce que je gueulais tout seul dans mon coin. Je me suis dit, bon, ben, je ne sers à rien, je vais aller avec eux. Mais c'est comme ça. J'ai fonctionné. Parce que ça faisait des années que j'étais autour de toi, tu as des vieux, tu as des moins vieux, mais ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Et ça, je t'es pas un théâtre, t'es pas un spectacle. Je veux dire, c'est vrai. Tu dis, oh, ben, alors, regarde comment ça se passe. Enfin, c'est dans tous les clubs. Mais il y a quand même un groupe de supporters où ils doivent apporter quelque chose. Le problème, c'est quand tu n'es que 30. Et puis 30, on n'est pas 30. 30 membres aussi. Oui, non, mais je veux dire, quand tu es au stade. Ah non, non, c'est pas de... Eh ben, tu n'as pas beaucoup de poids. T'as pas de poids. Là, je vois. Et la chanson d'après-match a été une surprise? Ouais, non, je l'avais jamais entendu. Oui, ça, c'est jamais entendu, mais spécial, ça. Hein. Ça se retient vite, elle est facile à retenir. C'est spécial. Fin de la saison, je vais la connaître par cœur. Tu la connais, tu trouves ça comment? Tu la trouves bien? Ouais, ça va, elle est entraînante. Ouais. Et puis ça. Ça doit représenter les valeurs d'ici, donc. Pas tout. Pas tout. Pas tout, non, mais c'est une chanson. On va éviter de rentrer dans les détails. ça fait, ouais, c'est drôle, c'est marrant. Les deux premiers mots. Les deux premiers mots, on va. Non, c'est pas. 2, 7, et match. Alors, qu'est-ce qui court? Et qui se jette? En ballon? Courgette. Ah bon. Que dit un rouleau de papier toilette déguisé en Dark Vador? Je suis ton père. Qu'est-ce qui prend de la place et qui se connecte en Bluetooth? Une femme enceinte. Quelle est la salade qu'il ne faut pas lancer? La roquette. Que dit un poussin de 500 kilos, piou-piou, avec une voix grave? Wow. Quel rappeur a toujours de la monnaie? 50 Cent. Quand on trouve la blague, y a pas de point? Qui est devenu Merlin quand il a conquis la France? Il est devenu le roi Merlin. Ah, bien. Pourquoi Ribéry ne veut-il pas jouer en Angleterre? Parce qu'il est payé en livre. Parce que c'est payé en livre. Ah,
j'ai déjà vu cette blague quelque part. Quelle est la pâtisserie la plus cool? Le ragamuffin. Je dis la réponse. Non ouais. Hein? Le ragamuffin. Je connais pas. C'est quoi des poux marseillais qui passent sur France 3? Poubelle la vie. Pour plus belle la vie. Un jour, j'ai perdu ma fourchette, mais je l'ai retrouvée. Elle s'était cachée. Elle s'était cachée. Quel est le point commun entre ton oncle et un campeur? Les deux montent à tente. Bernard Tari, là. Ouais. 1-0 pour vous. Ah non, mais oui, j'ai rigolé. Oui, parce qu'elle est c'est rigolo. Pour moi, ah ben, oui, mais qu'est-ce que fait Platon quand ça le démange? Il se gratte. C'est rigolo en face. Non, mais. 2-0. Non, la question n'est plus. Même lui, il a rigolé. C'est lui qui a rigolé. C'était fini, là. Non, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Tant que t'as pas posé la carte, c'est pas fini. On a pas rigolé. Après, tu peux jouer. Tu peux jouer avec ton faciès. Non, mais on rigole. Quel est le prénom le plus répandu chez les moustiques? Sam, parce que Sam pique. Que dit Nicky quand on lui demande de passer l'aspirateur? Nick le ménage. Nicky ménage. Qu'est-ce qu'un gastro-entérologue marié à une femme depuis plus de 30 ans? Un fidèle gastro. Que disent les électeurs de gauche aux centristes? Je sais pas. On est soit à gauche, soit à droite. Voilà. Comment s'appelle le zizi de Dr. Dre? Beat by Dre. Non. Et là-bas, il est limite, c'est juste. Hein. Moi, je souris. Je l'ai dit s'il allait rigoler. Il était pas loin. Ouais. Comment appelle-t-on un covoiturage en Afrique? Ça existe pas. Un Boubacar. Quel acteur n'aime pas la lumière? Je sais pas. Alain Delon. Quel est le prénom le plus répandu chez les marchands de glace? Je sais pas. Douglas, parce que je voudrais Douglas au chocolat. Douglas. T'es avec eux ou... Non, moi j'ai pas ri, moi. T'es pas avec eux? J'ai pas ri, là. Oh non, toi, j'ai fait... Non, on rigole pas. Okay. J'ai raconté une blague à un Parisien. Mais il est à Paris. Tant pis, oui. Comment appelle-t-on un nain dont le métier est facteur? Un imposteur.
the one, the way your son don't need a gun to get respect. On a rien compris. Ouais. Tu fais ça. Qu'est-ce qu'un rat avec une petite queue? Qu'est-ce qui relie Haïti à Tahiti? La mer. Non. C'est rien, ça, non? Maintenant, j'ai pas rigolé. C'est facile. J'ai souri. Non. Je sais pas. Qu'est-ce qui relie Haïti à Tahiti? Ben, c'est le thé. Qu'est-ce qui est jaune et qui bouscule tout le monde dans le métro? Un bio? Un citron pressé. Comment un cannibale se suicide-t-il? Il se mange. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Donc deux, hein. Pourquoi? Ben, je les réponds ça. Moi, je n'ai pas répondu. Il n'a pas répondu, je sais pas. Ça ne compte pas. Et puis, tu ne l'as pas répondu, alors. Tu connais la blague sur Jésus? Non. Non, mais en fait, c'est naze. J'arrête Nazareth. J'ai un pote de Côte d'Ivoire, tu sais ce qu'il a vu? Bah rien, il voit rien. Que dit-on lorsqu'il y a des cafards dans sa maison? Je sais pas. En homme. On dit qu'il y a des mythologies. Pour mythologie. Appelle-t-on un célibataire qui prend du Viagra? Un célibataire endurci? Qu'est-ce qu'une femme de Dijon en moto? Une motarde de Dijon. Comment appelle-t-on des chaussures d'enterrement? Des pompes funèbres. C'est un 0 qui croise un 8. Et le 0 dit au 8. Pas mal la ceinture. Dans quel magasin une maman arabe va-t-elle faire ses courses? Carrefour. Chez Jiffy, parce qu'elle dit toujours Jiffy des courses. Pourquoi en Afrique les livres n'ont-ils pas de couverture? Parce qu'il fait trop chaud. Eux au moins ils le font, vous le faites pas vous. 3-0, ils le font pas quoi, ils font bah, quoi hein. Les Ferré essayer avec des mimiques, je sais pas. Moi, j'ai pas rigolé. 3-0, c'est fini non? Non, c'est un 5. Ah, c'est un 5, ah, ok. Quelle était la danse préférée de Mufasa? La Simba brésilienne. Hein? La Simba. Pourquoi Thomas est si fort avec le PSG? Thomas. Quel Thomas? Parce qu'il les a menés vers la victoire.
Que fait un poète assis par terre? Je sais pas. Des vers de terre. Pourquoi les gens de l'équipe de France ont tout fait pour gagner la Coupe du Monde 98? Parce qu'ils voulaient la gagner. Parce qu'ils aimaient Jacquet. Ils aimaient Jacquet. Ouais. Non. Si en forgeant on devient forgeron, que devient en se mouchant? Que devient-on en se mouchant? Moucheron. Moucheron, il y en a un. Ouais, j'avais la réponse. Ah ouais? Tu l'as pas dit? Non, j'ai hésité. Non. Le moucheron? Non. Non. Si, je crois que j'en ai une, j'ai une blague. C'est. Tu rigoles déjà. Tu as deux mouettes. Elles se trimballent en ville et tout. Puis elles tombent sur un sandwich. Ah, c'est bon, c'est bon. 4-0. On va aller faire ta blague. Finis ma blague ou pas? Ouais, ouais, quand même, je veux la connaître, moi. Attends, mais bon, le cas, mais... Il peut encore rigoler, hein, si elle. Ah, si, elle rigole. Ça va, là. Mais pourquoi tu te fais rire comme ça? Bah, je sais pas. Il y a deux mois, donc elle se balade, elle tombe sur un sandwich. Puis elle se dit, bon, bah, comment on fait? Puis la première, elle regarde le deuxième et dit, bah, fais moite-moite. Quel est le risque de se disputer avec un vegan? De se viander? Alors, quel président bande deux fois le matin? Charles. Charles. Parce que Charles de Gaulle. Quelle fleur a besoin de couche la nuit? Le pissenlit, ça pisse au lit. Ah bien. Non. C'est Freddie Mercury qui sonne à la porte de Rocco et dit Rocco, c'est Freddie. Il lui dit quoi après? Il lui dit quoi? Aïe. Je sais rien. Aïe. C'est quoi une blonde pendue par les pieds au fond du garage? Je sais pas. Une clé à pipe? Bien. Sais-tu pourquoi une coccinelle s'arrête de voler? Non. Parce qu'elle a des points de côté. C'est la chose, oui. Oui, oui, mais vas-y, moi je suis occupé. Vas-y. Allez, tu prends le nord. Allez, yes, 5-0. Il va rien. Bah oui. Ils ont su faire. Ils ont su faire ce que vous n'avez pas su faire. Bon, bah attends, j'ai pas rigolé une seule fois. C'est des pros. Hein. Tu rigoles au début. Non, j'ai pas rigolé. Non. Allez, 5-0. Allez. 0, allez, on vous fait cadeau du gaz. Ouais. On vous fait cadeau du gaz. Ah, bah c'est gentil.